Qui a venu pour ce nouveau sport aujourd'hui? Nous voyons une nouvelle nationale pour commencer dans le football. Côté Premier League pour l'équipe Pralin Ladig, il concerne c'est l'équipe pralinoise Côte d'Or qui monte en tête classement Ligue après son victoire 4-0 contre l'Aistaz hier. Pour autant de sa rencontre, c'était l'Aistaz qui a bien commencé, mais autres n'étaient pas capables de mettre goal. À présent, Côte d'Or est monte premier le classement avec 25 points. On nous voit un point fort sa match avec Georges François. Chaque fois, ça dès l'équipe jeune pralin et toujours elle rencontre assez dit avec cette qualité. C'était Côte d'Or qui paraît plus en vie à 3 points, mais l'Aistaz t'a pu imaginer qu'ils ont aussi résultat qui vous tombe bien pour lui. C'était ça l'équipe en bleu qui commence très bien de sa rencontre. Et 6 minutes dans le jeu, le coup franc Fabio Lemiel qui force l'équipe Japon l'Espérance mettre un corner. L'Aistaz a l'envie pour être capable de faire une différence là dans sa première moitié. Et 3 minutes plus tard, encore l'autre coup franc par les miels. Mais sa force encore, il travaille bien. Il met quelque chose bien dehors son camp. Il toujours dans sa qualité d'action envers sa l'équipe. La Côte d'Or, il faut le dire, tu peux marquer un petit peu dans notre qualité de jeu tranquille. Zota, tu peux capable quand même maintenir un petit peu football avec Zota. Zota, tu peux faire 10 tours, capable de dire pour l'équipe Romeo Padayashi, capable de travailler un petit peu plus. Et Léo Tchakwa, ou tu peux simplement tenir pour guetter un petit peu quoi qu'il ait ça, tu peux emmener. Et pour l'entraîner Basile Rao, tu connais quelque chose pas très trop bien pour son équipe, pas tes performances à la hauteur. Mais ça l'équipe Côte d'Or pour sans tout les qui périmonnaient, l'y a rasé, tombe bien pour des brioches. Côte d'Or, il fait si, il montre l'Aïtsta qui brillait pour le goal de sa rencontre. 42e minute, il a sa l'équipe Côte d'Or confortable de sa jouer. Zout a fait première moitié, fini bien pour Zout, un le 0. C'est la deuxième la moitié qui Côte d'Or est entré avec l'esprit pour faire 10 tours à l'équipe Lightstar. Qui voulait dire qu'il ne perdit complètement là de sa rencontre à l'équipe Blé. 59e minute de jeu remplaçant Ian Sidras. Lui fait si que Lightstar tombe plus dans 10. Là, il arrive à 2 euros bien pour sa l'équipe Côte d'Or. Attention, tu commences à souffler là pour ça l'équipe Lightstar qui pas tu comprends qui tu peux arriver. Côte d'Or la fausse t'il mis et le 69e minute de jeu, c'est une grosse célébration. Les qui casse à ouvrir, lui il bat l'équipe Padayashi. Là, score, il arrive à 3-0. Lightstar, tu peux besoin faire monter pavillon blanc. Pas fini pour ça l'équipe Côte d'Or, ils ont été contentés, ils ont été convigol et de 84 minutes de jeu, Côte d'Or il démontré pour Alain, c'est lui qui t'entonne, l'air qui cédera, c'est lui qu'on a son deuxième goal, quatrième pour ça l'équipe Côte d'Or. Pour Côte d'Or avec sa victoire, ils ont monté en tête le classement Ligue Pralin Ladig de la première ligue, ils ont en azot 28 points. On force pas vous satisfait, nous bonnes nous faire bonne préparation. On a dit nous sommes censés gagner des matchs avec Santos qui nous impose nous jouer, qui nous peut servir maintenant pour nous jouer contre la star. C'est vraiment satisfait. Justement, votre premier à la table, il avait dit quoi vous autres? Mon Dieu, mon premier pour. Mon papa a dit pour finir premier, parce que la saison est finie. Mais nous, l'objectif restait pareil, nous pouvons faire de toute façon que nous avons fini premier de sa poule. Pour Lightstar, c'était un désappointement total de sa rencontre, surtout de sa deuxième, la moitié. Mon papa a fait une game balancée de lui-même, mon papa a premier goal, ma concentration. Déjà, j'ai perdu totalement, mon nous pas compétit du tout. Déjà, premier half, nous compétit, mais déjà, même quand on sort fort, on a des mouvements, surtout, on a des problèmes. Mais nous sommes vraiment naïfs, surtout, déjà, mi-temps, nous avons l'année, c'était gap. C'est ça, mon quoi, qui fait nous perdre ce score, c'est beaucoup 4-0, et dommage. Parce que nous préparons bien, surtout pour marquer premier half, la façon que nous mettons nos setup. Mais malheureusement, on perd sa game, le score 4-0. Nous sommes toujours avec le football. Côté Tigers, ils ont son troisième victoire de championship sa saison. Sa troisième victoire, tu viens de persévérance hier, Stade Unité. Côté là, sa l'équipe en ce moment, tu score 5 fois, comparé avec son opponent qui score seulement 2 fois. Et pour persévérance, perd 10.6e fois sa saison de 8 matchs. Sa victoire, il garde Tigers toujours 9e, le 9 points. Tigers en orange, tu commences sa match dans 9e position et Perseverance dans 10e position. Tigers, Simon, tu peux venir voler l'autre victoire après victoire écrasante contre Mobixton, vétéran semaine passée. C'était Tigers qui te domine premier 20 minutes de jeu. Les temps ont tiré plusieurs opportunités pour essayer d'ouvrir le score. Mais autres finitions, tu peux gagner tout. Tu peux noter
qui persévérance, qui aussi fait bon travail défensivement. Mais dans la 25e minute, le faute défensive Tigers, sa l'équipe en blanc, qui 6 points avec un joli laissé capitaine Chris Larry, 10 en dehors carré, qui bat le goalkeeper Grayson Louis pour l'ouverture score sa match. Sa l'équipe persévérance, qui continue à persister, un moment qu'au droit pas Bantig t'invite les deux avec combat pour autres doubler les autres l'avantage les temps qui Andy Norris y donne un passe décisif Caleb Pierre qui parti manqué pour faire score 2-0 pour persévérance et sa score qui restait jusqu'à la fin première moitié. Alors c'est intéressant pour voir qui manière qui Tigers qui aussi monte sa deuxième moitié. Mais pas avant qu'Andy Norris tire une autre jolie opportunité pour persévérance, un goal qui était capable de tuer l'espoir Tigers complètement. Après ça, un bon travail Mario Matombe sur le coup de corner flag qui relance Tigers loin de l'attaque, passe Damien Rat qui tombe pour Ted Lewis qui bat le goalkeeper Michael Leon pour la première fois dans sa match, sa l'équipe Wasmae qui réduit le score en l'audé. Tigers tient bien rentré dans sa deuxième moitié et continue avec un jeu offensif. Le goal kick qui peut lui flique la tête clean Niken midi la plaine et à l'aide Matombe qui est centré pour Captain Marcus Esparon égaliser, mettre score sa rencontre égale des goals partout. Danze pas encore fini pour persévérance en Mézi qui match à pour son la fin. Zote qui tape Gandhi, le free kick Mario Matombe, Ted Lewis qui donne Tigers l'avance 3D, première fois qu'ils ont pas santé dans sa rencontre avec sa joli goal la tête. Ça tue aussi deuxième goal Lewis dans sa rencontre. Et sa l'équipe en orange sorti en ce ballon. Encore on a assez le temps pour faire grossir sa score contre Persévérance qui tient une vie complètement désorganisée comparé avec première moitié. Et la Clean Niken y a avancé pour Damien Rat, score un joli goal first time pour faire score arrive 4-0. Après ça, l'eau un shot rat qui est mal dirigé, qui heureusement tombe dans les pieds Mario Matombe de carré, qui fait score final, vine victoire 5-2 pour Tigers contre Persévérance. Sa troisième victoire Tigers dans 8 matchs championship sa saison, sa l'équipe basée en Swallow reste 9e mais monte l'eau 9 points, tandis que Persévérance sa tisote 6e défaite dans 8 matchs et zot reste 10e, l'eau 6 points. Match c'est match PTF. Nous espérons que nous gagner match PTF à cause nos opponents aussi ils pas trop mal. Sur des games nous espérons que il y en a des bonnes habilités qui t'y capte un petit mal. So nous considérons des goals bonnes qui totalement casse nos plans jouer. Ben seulement moi je connais dans l'équipe nous en jouer qui capte la différence qui nous connais nous t'y capte un petit mal. Tigers pour le moment la performance nous continuons à improve match par match nous improve à cause d'un bon match qui nous joue par avant il y a une bonne faute qui nous fait qui est nécessaire pour nous faire sa bonne faute pour nous aujourd'hui cap corriger et c'est ça le résultat qui peut venir et nous permet le training aussi nous peut faire nous permet beaucoup en phase là le bon point faible nous peut rester point faible après nous peut améliorer nos bons points forts. Et dans toujours football, le match Premier League qui nous est aujourd'hui Stade Unité, il y en a Saint-Louis qui nous bat Bosco FC par 2 goals l'ON. Entre-temps, action football pour continuer demain à partir 5h30 Stade Unité, le match Premier League pour l'équipe Mahé, Real Maldives, pour jouer contre Northern Dynamo. Et 7h30 du soir, ça poursuivre avec un match Championship Beauvallon contre Montbixton Vétéran. Bon enseignant l'éducation physique, il apprend la plus bonne façon pour aider à faire descendre niveau obésité parmi les enfants. Justement, ça, c'est parmi les points qui ont été discutés dans l'atelier que le Conseil national pour le sport a organisé récemment avec sa bonne enseignant. À cause de la pandémie COVID-19, sa rencontre n'a pas fait pendant un bon peu de temps. C'était dans Boardroom NSC qui sa workshop t'y fait pour justement discuter de façon pour faire descendre niveau obésité avec bonne zen étudiant dans l'école. Parmi sa workshop, t'y chef exécutif Conseil national pour sport Jean Larue, Francis Remy, directeur sport pour tout et représentant sorti comme ministère de l'éducation Cyril Pilet et Dorothy Isidore qui coordinateur pour l'exercice et aussi bien bon enseignant l'éducation physique et un des parents qui se présent.
Maurice Denis aussi est présent, qui dispute cause fortement de la santé mentale. Et Madame Stéphanie Denous, qui lit, type cause de façon vive, nutrition et aussi manière pour un an et la tête balancée. Tout dernièrement, il y en a une statistique qui sortit qui montrait qu'il y en a pas mal à l'augmentation obésité à travers Zen. Pour Miss Elvie Duval, enseignant d'éducation physique à l'école enseignale primaire, il dit que sa workshop est une bonne façon pour aider lui à travailler plus bien avec son bon étudiant. Workshop est assez bien. Nous pouvons apprendre quelque chose sur le thème obésité et qui m'a nous capable de savoir quelque chose de l'école et de la communauté aussi. Définitivement, il y a une quantité quelque chose qui est passé en dedans, surtout mentalement, physiquement, comme il y a une carte d'aide à l'enfant pour les autres, mon cardia, pour les autres, développer plus bien, en bonne santé. Pour nous, as a pays teacher, qui, à la fête, disons, bonnes enfants aussi, tout en ayant l'étude d'avoir quelque chose qui, dans sa session, nous apprend et aussi nous peut délivrer avec les autres. Tandis que Miss Sylvette Suzette, enseignant l'éducation physique grand ans prend les primaires et partage presque même l'opinion pareil monsieur Val. Un workshop pédé ou là c'est bien et nous peut apprendre beaucoup tout. Qui on peut apprendre en dedans? C'est tout le côté développement des enfants, bonne zen. Oui définitivement qu'on peut apprendre beaucoup et mon pour m'aider à pratiquer dans mon école et dans la communauté aussi nous capables m'aider en pratique. Coordinateur pour l'exercice, Miss Dorothy Isidore, il dit qu'ils ont habitué faire sa workshop chaque fois qu'il école il donne half term. Côté là, ils ont joué ensemble avec bon enseignant l'éducation physique, aussi bien qu'ils ont assistant qui aidé avec sa programme Parents Welcome. Bon, sa workshop, il y a un workshop qui gagne faire tous les années, hein? Tous les années dans faire half term. Nous avons des PE teachers avec des assistants PE teachers qui aident avec un programme Parents Welcome. Un programme, c'est un programme que nous qui lancé dans l'école pour lutter contre l'obésité parmi les mamans et même parmi dans la communauté. Donc, il y a un workshop que nous avons des PE teachers, nous revisons ce programme, refresh, on met un petit peu en bord, quelque chose, une technique. Qu'il est capable des autres pour être capable bien faire ce programme et les masses plus bien mais pour raison COVID nous pas besoin pour des ans par eu qu'on est COVID in tapé tout quelque chose in slack les terrains tombés maman slack down qui en gros nous tenons gros mais seulement là nous pensons remettre ce programme pas du COVID non mais seulement avec COVID qui nous slow un peu nous pensons réadapter ce programme remettre l'autre track remettre maman montrer maman l'intérêt comme si rebous encore sur une zone aujourd'hui à half day mais la phase encore c'est nutrition pour caber nous pour nous retomber et encore ça l'état d'esprit pour nous tenir bien focus pour nous installer l'énergie pour nous retourner back again. Dans le système, mon plus bon ami m'a dit qu'ils ont profité de bon état half-term pour faire ça. Et là, mes enfants, enseignants, ils sont en vacances. Peut-être qu'il y a raison qu'il n'y a pas beaucoup d'enseignants d'éducation physique. Mon père, c'est un petit peu surprising. Aujourd'hui, il n'y a pas tellement toute l'école qui est là à cause des étudiants qui ont envoyé dans toute l'école. Tous les teachers ont tous au courant. Et nous, on ne connaît pour qui raison, à quoi mon espère, semaine pas passée, mon connaît tout du monde festive season. Mon espère pas passée, mon dit, n'a semaine 25, mon connaît, autres fatigués, autres dans congé. Mon espère ça, semaine break après 18, mon dit, ma prend les 25, so. Mon pas connaît, anyway. Ça qui là, anyway, ça qui là, il suffit, mon quoi, autres présents, autres dans la salle intérieure pour bons enfants. So, mon quoi la make it with what we have. Dans beach soccer, dans match league qui nous joue aujourd'hui, il y a un Beach Boys qui fait victoire DN contre MLUH et demain 5h, toujours contre Beach Soccer Arena, c'est Real Maldives qui peut rencontrer One Stone. Basketball dans match Curtain Razors joué aujourd'hui pour ben l'équipe 2e division et B-Boys, il fait victoire 67-35 contre Ansoyal
Et demain, sa compétition continue avec un autre rencontre deuxième division de groupe A et un Saint-Louis-Saints qui pour rencontrer MBU Boys 5h30 au gymnase Victoria. C'est un plaisir pour avec vous. Merci beaucoup de nous suivre.